Bonjour les amis, c'est Player Seb et je vais vous présenter donc comment fonctionne le online de Watch Dogs Légion. Vous allez voir, c'est très simple et ça marche par plusieurs saisons. Alors, sur la carte, on se retrouve avec des gens donc au hasard ou avec ses amis. Je vous conseille de jouer avec ses amis, c'est quand même mieux. Mais sinon, jouer avec des inconnus, c'est tout aussi bien. Sauf que des fois, les joueurs, des fois en ligne, c'est vrai qu'ils font n'importe quoi. Enfin bref, sur la carte, du coup, vous avez des missions en coopération. Mais vous pouvez également jouer en solo, car vous avez plein de missions en solo qui vous permettent de débloquer donc des étoiles pour votre pass saisonnier, mais également de l'argent. Et vous avez aussi des missions, enfin des arènes avec des arachnobots, très très sympa. Il y a aussi des événements donc urbains, donc là, ils recommandent donc 3 joueurs. Et d'avoir même, attendez, ah voilà. Il y aura aussi donc des opérations tactiques, donc des chefs d'émeute, c'est pas encore disponible, ça devrait être disponible vers à peu près le 25 mars, il me semble. Du coup, comme je vous ai dit, ça fonctionne par saison. Donc nous sommes à la saison 1. La première saison, il reste donc 60 jours. Et à chaque palier, vous gagnez des cadeaux. Donc des pièces, des points influence, des skins pour des armes, pour des voitures. Et sachant que les cadeaux que l'on gagne, donc tout ce qui est skin, masque et tenue, on les garde pour le mode carrière. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, les points influence qu'on gagne dans l'online restent dans la partie online. Du coup, donc au niveau 10, j'aurai la tenue là. On a également des crédits Watchdog aussi qu'on peut en avoir. Skin d'armes. Le masque de lui de Watchdog 2. Des skins donc de peintre dans la peinture de véhicule. La suite de la tenue, donc de l'argent, un masque, donc toujours des devises, voilà. Encore des crédits, un masque. Des points influence, des skins, un masque encore. Et au niveau 50, on aura la tenue ici. Pour avancer le pass saisonnier, il faut gagner des étoiles. Donc vous faites des missions en solo, en coop, vous gagnez des étoiles, mais vous avez également des défis. Donc des défis quotidiens, 3 par jour. Donc en vrai, donc là on peut gagner donc 80 étoiles en réussissant donc un défi. Et des défis hebdomadaires. Donc ça dure donc une semaine. Donc j'en ai déjà réussi 2 sur 3. Donc après, donc vous avez votre équipe, ça, ceux qui connaissent le jeu, il n'y a pas de surprise, vous recrutez. Et ensuite, donc, vous pouvez donc améliorer, donc acheter des gadgets et des points d'amélioration avec les points influence. Donc comme ça, vous êtes encore plus équipé. Donc honnêtement, c'est très sympa à voir avec qui on joue, parce que des fois, c'est vrai qu'on tombe sur des joueurs un peu qui font n'importe quoi. Je trouve c'est pas mal, ça donne pour ceux qui ont fini Watch Dogs qui veulent s'y remettre dedans, c'est parfait. Moi, comme vous le savez, je viens d'avoir justement la PlayStation 5, donc je viens de commencer le jeu. Donc j'ai le mode carrière plus le online qui tombe en même temps. Donc je vais pouvoir switcher entre les deux. Wow. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Watch Dogs Online. Si ça vous intéresse ou pas du tout. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il me cherche hein. Voilà. Je disais donc, n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si vous allez le faire ou pas. Moi en tout cas, ça me chauffe pas mal. Ah la carte, c'est vrai qu'elle est magnifique hein. Dérapage. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à lâcher un pouce, à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. C'était Player Seb et je vous dis à très vite les amis.